Vous me permettrez peut-être de commencer par une question purement rhétorique, vous le verrez, qui est-ce que tout cela est bien raisonnable ? Faut-il bien revenir sur la laïcité, qui est un principe ancien et auquel nous avons eu le temps de nous accoutumer, puisque pour l'école, cela date de 1882. Est-il bien nécessaire donc d'affronter le gel, de rater d'autres événements, comme vous le disiez, pour venir reparler de tout cela? Alors je dis c'est purement rhétorique, parce que j'ai évidemment pas l'intention de répondre non, ce qui ferait de mon intervention l'intervention sans doute la plus courte des matinales, mais d'attirer votre attention sur le fait qu'il n'est pas illégitime tout de même de se poser la question de savoir pour quelles raisons nous éprouvons aujourd'hui le besoin de revenir sur ce principe, qui n'est plus d'usage nouveau, comme le disait Ferdinand Buisson. Que se joue-t-il aujourd'hui dans la laïcité à l'école? Et pour aider à la réflexion, il est possible de faire un détour par un petit village du Morbihan, qui est le village de Plohermel, qui est au cœur de l'actualité depuis maintenant quelques semaines, enfin de l'actualité vive, mais qui est dans l'actualité depuis au moins 2006. Vous le savez sans doute, le 10 décembre 2006, une statue a été installée dans le village de Plohermel. C'est une statue du pape Jean-Paul II, et cette statue a été offerte à la municipalité par un artiste reconnu d'ailleurs, Zurab Tsereteli, qui a offert cette statue au maire, qui l'a installée au cœur du village sur la place Saint-Jean-Paul II. Et cette statue, vous le voyez, est surmontée d'une arche sur laquelle trône une croix. Alors, c'est un monument de bonne taille. Voilà une photographie qui vous permet de prendre la mesure des choses. C'est un monument de bonne taille puisque la croix culmine à peu près 9 mètres de haut. Et si je vous parle de cela, c'est parce que cette statue a été placée au centre d'une controverse judiciaire. Puisque dès 2006, la Fédération de la libre pensée morbihanaise a attaqué la municipalité sur l'installation de ce monument-là. Et alors, je ne vais pas revenir sur les détails de l'affaire, mais il y a eu toute une série de décisions de justice qui ont été rendues. Je vous donne rapidement les choses. En 2010, le tribunal administratif de Vannes a jugé illégal et contraire à la liberté de conscience la subvention du Conseil général du Morbihan à la communauté de communes pour l'érection de cette statue. Et donc, il en a ordonné son remboursement. Je rappelle, la statue a été érigée en 2006, le 10 décembre. En avril 2015, le tribunal administratif de Rennes a demandé la suppression de la croix, qui surplombe la statue, voire, en cas de refus de l'artiste, la suppression du monument dans son intégralité. En décembre 2015, quelques mois plus tard, la cour administrative de Nantes, tout en reconnaissant le caractère illégal du monument, a annulé le jugement précédent en raison d'un vice de procédure. Et là, tout récemment, le Conseil d'État, c'était le 25 octobre 2017, le Conseil d'État a rendu sa décision, et le Conseil d'État a indiqué que la statue pouvait demeurer, mais que la croix devait disparaître. Et le Conseil d'État a appuyé sa décision sur l'article 28 de la loi de 1905, qui dispose qu'à l'avenir, il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public. Alors vous comprendrez qu'il ne s'agit pas ici de revenir dans le détail sur cette affaire, mais ce qui est intéressant et ce qui nous plonge au cœur de la réflexion, c'est que la décision du Conseil d'État, qui est expliquée ici par Jean-Marc Sauvé dans un entretien qu'il a accordé au journal La Croix, la décision du Conseil d'État est claire. Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit « La loi de 1905 interdit, et il cite la loi, d'élever, d'apposer, comme je viens de le rappeler, à l'avenir aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public. » Il ajoute, sans surprise, il ne s'agit pas d'une inflexion vers une jurisprudence qui serait anti-religieuse. Ça n'est pas un acte d'hostilité envers le catholicisme. Et il ajoute, fort logiquement, nous devons tous nous soumettre à la loi. Entendez tous, indépendamment de nos convictions personnelles. Notre décision, dit-il, était donc tout à fait prévisible. Tout à fait prévisible. Bon. Là, c'est le droit qui parle. Mais si l'on compare avec cet éditorial du journal Ouest France, qui, vous le savez, est un journal à très fort tirage, on voit apparaître toute une série d'expressions, de représentations, non pas de ce qui est légal du point de vue de la laïcité, mais du point de vue de ce qui est souhaitable, de ce qui est souhaité par différents acteurs. Et vous voyez, par exemple, une déclaration
de l'évêque de Vannes. C'est un communiqué de presse. Alors, l'éditorial ne montre pas l'intégralité du communiqué de presse que j'ai été chercher. L'évêché précise bien qu'il ne remet pas en cause, bien évidemment, la loi. Mais on voit apparaître l'idée que cette décision conforterait une tendance visant à rendre toujours moins visibles les signes chrétiens. On ajoute un peu plus tard dans le texte que ces signes chrétiens ont contribué à façonner notre unité. S'introduit donc là l'idée des racines chrétiennes de la France, que la laïcité, donc, que cette décision de justice tout au moins, viendrait fragiliser. Qu'il s'agirait de s'en prendre au Christ et à la croix, et que la laïcité, envisagée comme l'envisage le Conseil d'État, pourrait être anti-religieuse. Mettez en parallèle les deux textes, c'est l'inverse que dit évidemment Jean-Marc Sauvé. L'évêché en appelle à une laïcité équilibrée. Vous savez tout le débat qu'il y a eu sur la laïcité adjectivée, laïcité ouverte, laïcité positive. Je ne reviens pas sur ce débat, si ce n'est pour vous dire que, bien évidemment, dès lors que l'on adjective la laïcité, on envoie en creux le message qu'elle n'est pas ce que l'on voudrait qu'elle souhaite. Dire qu'il faudrait une laïcité équilibrée, c'est dire en creux, la laïcité n'est pas équilibrée, bien évidemment. Et le journaliste, quant à lui, ajoute au débat en disant « Mais après tout, la loi de 1905 contient une exception artistique dont le Conseil d'État aurait pu se saisir. Et donc, nous sommes là peut-être en face d'une mesure de censure. » Et les mots sont quand même assez forts. Une mesure de censure d'un artiste qui est tout de même libre de construire son œuvre comme il en a envie. Encore, le journal ne fait pas état de ceux qui pensaient que simplement exiger le retrait de la croix était une demi-mesure et qu'il aurait mieux valu retirer aussi la statue de celui qui fut souverain pontife. Alors pourquoi je vous dis cela ? Bien parce que, avec cela, vous voyez, on met le doigt sur ce qui est sans doute aujourd'hui l'un des problèmes majeurs dès lors que l'on veut envisager la laïcité, et notamment la laïcité à l'école. C'est la distinction qu'il faut faire entre ce qu'est la laïcité du point de vue du droit et du point de vue de l'esprit dans lequel la République met en œuvre ce principe de droit, et ce qui peut être perçu dans la société, et la tension qui peut exister entre ce que vivent ou croient vivre un certain nombre de nos concitoyens et le dispositif réglementaire et l'esprit dans lequel la République veut le mettre en œuvre. Je prie de m'excuser. Alors, la diversité des interprétations, elle est normale, je dirais, elle est logique. La laïcité, il faut le rappeler, c'est une construction historique. C'est le fruit d'évolutions historiques, c'est le fruit de choix d'acteurs successifs qui ont progressivement construit ce qu'est la laïcité en France aujourd'hui. Et donc il n'est pas anormal que dans le corps social viennent s'exprimer des revendications ou des visions de ce que devrait être la laïcité. La démocratie, je le rappelle, la démocratie, ce n'est pas le consensus, la démocratie, c'est la possibilité du dissensus et du débat. Mais, dans le cas de l'école, il est évident que nous n'avons pas à faire valoir une vision parmi d'autres de la laïcité. Nous n'avons pas à prendre parti dans ce que nos concitoyens estiment souhaitable. Nous avons à faire valoir, nous avons à enseigner ce qu'est la laïcité du point de vue du droit, et à faire comprendre l'esprit dans lequel la République met en œuvre le principe de laïcité. Or, à l'école, nous ne sommes pas épargnés par cette instabilité de l'interprétation du principe. C'est sans doute là, aujourd'hui, qu'est la grande difficulté en matière de laïcité, c'est que nous sommes dans un contexte où l'interprétation du principe est instable. En formation, encore tout récemment, je proposais à des collègues de l'éducation nationale, titulaires, depuis de nombreuses années, un certain nombre de questions pratiques pour mesurer un petit peu la façon dont ils pouvaient réagir. Je vous les livre pour que vous puissiez voir que, au-delà du principe et au-delà de la notion ou du concept, il y a des réalités concrètes qui peuvent rendre le quotidien assez difficile. Par exemple, une conseillère principale d'éducation vous demande l'autorisation d'organiser pour les élèves une rencontre-débat entre, je cite, « religieux des trois monothéismes » à l'occasion de la journée du 9 décembre, et ce, pour parler de la tolérance. Faut-il l'accepter ou pas ?
Comment expliquer la décision que l'on va prendre? Autre exemple. Le calendrier est-il laïque? C'est une question qui n'est pas que rhétorique. Les professeurs des écoles posent souvent la question de savoir s'ils peuvent s'appuyer sur les fêtes que contient le calendrier pour structurer le temps avec les plus jeunes. En faisant cela, manque-t-il à leur obligation et manque-t-il à la laïcité? Autre exemple, à l'internat, plusieurs lycéens vous demandent la possibilité de dîner plus tard qu'à 19h15 car ils respectent le jeûne du Ramadan. Quelle réponse leur apporter? Quel impact sur l'organisation du service? Quel impact sur la liberté de conscience et la liberté de culte? Que nous dicte la laïcité en la circonstance? Autre exemple, je ne vais pas les multiplier à l'infini. À l'approche de Noël, nous y sommes presque, des parents vous demandent si vous installerez, plutôt pour les chefs d'établissement, si vous installerez un sapin dans l'établissement. La question elle-même, en règle générale, suffit à faire frissonner le chef d'établissement qui se dit « Pourquoi me pose-t-on la question ? » Est-ce pour regretter qu'il n'y en ait pas ? Est-ce pour dénoncer qu'il y en ait un ? Et vous voyez que, il y a le etc. bien sûr, vous voyez que ces questions nous montrent que aujourd'hui, le problème essentiel, c'est Abdennour Bidar qui le dit, je reviendrai à plusieurs reprises sur ce que nous a enseigné Abdennour Bidar ces dernières années. Il nous dit que 112 ans après la loi de 1905, nous souffrons aujourd'hui d'une ignorance et d'une incompréhension du sens et des enjeux de la laïcité. C'est là qu'est l'enjeu. Or, il nous revient à l'éducation nationale, il nous revient d'enseigner ce principe, de le faire comprendre et de le faire partager. Et de ce point de vue-là, la tâche n'est pas confortable non plus, car les élèves eux-mêmes sont soumis à cette instabilité d'interprétation du principe. J'ai ramené simplement deux copies, vous savez, pour les collègues qui m'ont déjà entendu, que je les utilise régulièrement, ce sont deux copies d'élèves du diplôme national du brevet de 2014. En 2014, nous avions demandé aux élèves « Définissez le principe de laïcité, illustrez-le par un exemple. » J'ai ramené simplement deux copies pour ne pas m'étendre longuement sur le sujet. Voyez la première. J'ai recopié en dessous scrupuleusement ce qu'a écrit l'élève. Je vous prie de bien vouloir croire que ce ne sont pas mes fautes d'orthographe, ce qui invaliderait évidemment tout ce que je pourrais vous dire puisque vous douteriez de la qualité du propos. Donc, premier type de réponse, vers 1989. Alors, il y a des historiens dans la salle, ils savent que quand un élève commence sa réponse par « vers », vers 1989, la loi Dreyfus, où il dit que tout le monde doit aller à l'école jusqu'à 16 ans et instaure des écoles laïques et obligatoires à tout le monde. Bien. On peut analyser ça assez rapidement en se disant que sans doute cet élève n'a pas fréquenté assidûment son cahier et que tout à la fin de l'année, il s'est dit « mince, la laïcité, ça me dit quelque chose ». Bon. Et tout de même, j'attire votre attention sur le fait que en 2014, sur l'ensemble des copies qui ont été étudiées, des réponses de cet ordre-là, c'était un quart des réponses. Un quart. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'instruction obligatoire, un quart des élèves qui ont répondu à la question, ou plus exactement un quart des élèves dont les copies ont été étudiées, n'ont pas été en mesure de définir ni de près ni de loin ce qu'était la laïcité. Ce qui veut dire qu'en termes de partage de ce principe ou en partage de cette valeur, évidemment, nous ne pouvions pas espérer qu'il soit touché. Deuxième type de réponse, plus intéressante me semble-t-il à analyser, la laïcité c'est cacher ses opinions, notamment sur les religions dans les lieux publics, à moins que cela soit discret, entre parenthèses dépendantif. Jules Ferry a rendu l'école laïque gratuite et obligatoire en France en 1882. Les professeurs de troisième vous diront que ce n'est franchement pas une mauvaise réponse. Hein. Que l'élève soit capable de citer Jules Ferry, 1882, la mention dépendantif des lieux discrets, même si c'est maladroit, c'est sans doute une référence à la circulaire d'accompagnement de la loi de 2004. En tout état de cause, on peut considérer que c'est un ou une élève qui a travaillé. Qui a travaillé. Mais qu'a-t-elle ou qu'a-t-il retenu? La laïcité, c'est cacher ses opinions. Cacher ses opinions. Comment peut-on espérer une adhésion à ce qui, pour l'école, est une valeur si un élève considère que cette valeur est, au mieux, un principe d'hypocrisie sociale? Or, toutes les études le montrent, les élèves, pour une grande partie d'entre eux, même si les choses évoluent, et elles évoluent positivement, il faut le dire, une grande partie de nos élèves continuent de penser que la laïcité, c'est un principe liberticide. Continuent de penser que les valeurs
que porte l'école sont découplés de la réalité sociale qu'ils peuvent vivre. Continue de penser que, à l'école, les valeurs qui sont transmises ne portent pas en elles-mêmes un bénéfice individuel ou un bénéfice social. Et vous voyez, et je terminerai cette introduction là-dessus, il y a urgence pour l'école à revenir sur le sens de la laïcité. Il y a urgence à éclairer à nouveau et les élèves et les personnels, et je dirais les familles au-delà, sur le sens de la laïcité, parce que c'est Adenour Bidart qui le dit dans ce bel ouvrage que je vous conseille pour une pédagogie de la laïcité à l'école. L'école a une responsabilité particulière en matière de laïcité. Cette responsabilité particulière, c'est d'être la gardienne du sens. Il l'exprime fort bien, l'école, dit-il, doit pouvoir revendiquer le rôle de gardienne du sens de la laïcité, l'institution, et les mots ont un sens, l'institution, qui, en l'explicitant et la communiquant aux générations nouvelles, prémunit la laïcité contre le risque d'être réduite au fil du temps à une notion floue, ou bien à un ensemble de lois et de règles formelles dont le sens éthique n'apparaîtrait plus. Voilà l'enjeu. Voilà l'enjeu, et voilà pourquoi je vous disais que la question que je posais en introduction était purement rhétorique, puisque vous comprenez bien que j'y réponds par l'affirmative. Oui, il est nécessaire de revenir sur le principe de laïcité en 2017, comme il sera nécessaire, indépendamment du contexte, de revenir sur la laïcité en 2028. Je ne prends pas date pour une prochaine conférence. Mais ce sera nécessaire parce que, année après année, génération après génération, il nous faut garantir que le sens des choses soit compris pour pouvoir favoriser un partage. Et donc, mon ambition ce matin, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, c'est d'échanger sur le sens de la laïcité et donc d'essayer de contribuer à éclairer les enjeux actuels. Pour cela, je suivrai un plan en deux parties, ce qui est une façon subliminale pour un historien de formation de placer l'émancipation au cœur de son propos, puisque tous les historiens, vous le savez, font des plans en trois parties. Pour moi, ce sera deux parties, un principe, une valeur. Je vais essayer d'abord de rappeler que la laïcité, c'est un principe, et que c'est un principe d'organisation de la République, que les fonctionnaires ont à faire valoir, à garantir, mais qu'à l'école, c'est plus que cela, c'est une valeur. Essayez de voir avec vous que ce principe, il est tendu, il est orienté vers un but, et que c'est pour cela, et ce sera mon mot de conclusion tout à l'heure, que c'est pour cela qu'il faut envisager la laïcité aussi sous la forme d'une pédagogie, pour en garantir la transmission. Alors, le surveilleur en même temps. Oui. Alors, pour revenir sur ce premier point, un principe d'organisation de la République française, je rappellerai tout d'abord très rapidement que l'article 1 de la Constitution de 1958 définit la République comme étant laïque. Vous connaissez tous l'article, la République française est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, par définition, la République est laïque. Mais dire cela, ça n'est pas dire ce qu'est la laïcité. Or, vous ne trouverez pas de définition juridique de la laïcité. Le seul endroit, je m'en faisais la réflexion il y a quelque temps, le seul endroit où l'on trouve une définition de la laïcité en quelques lignes, c'est en général dans les cahiers des élèves de 3e, puisqu'ils doivent apprendre cela. Mais en droit, vous n'en trouverez pas. On peut toutefois avancer, notamment avec la circulaire du 16 août 2011 du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, vous savez, est ministère des Cultes. Dans la circulaire du 16 août 2011, que je vous engage à lire, elle est assez courte, vous trouverez notamment ce passage. « La laïcité n'est ni le reniement ni le cantonnement des religions. Elle est la condition du respect des choix personnels dans une société ouverte. » Cette circulaire dit là deux choses tout à fait essentielles qu'il nous faut être en mesure de communiquer aux familles et aux enfants que nous recevons dans nos établissements. Elle dit d'abord « La laïcité, ça n'est pas le reniement ni le cantonnement des religieux. Il est extrêmement important de rappeler en permanence que l'école, que la République n'est pas hostile aux croyances. L'école n'est pas anti-religieuse. On peut même dire et démontrer que l'école et la République ont des égards pour les croyances et qu'elles en ont toujours eu. Je ne reviens pas sur le fait que le jeudi a été chômé à un moment donné pour permettre la catéchèse. Mais on peut voir aujourd'hui, par exemple, dans des circulaires actuelles de l'éducation nationale, que les personnels peuvent demander un congé d'absence exceptionnel pour des fêtes religieuses.
Il y a des circulaires qui disent au personnel, lorsque les élèves s'absentent pour une fête religieuse consistante, il ne faut pas leur en tenir rigueur, il ne faut pas faire d'évaluation ce jour-là. Il faut laisser une latitude. Donc il n'y a pas dans le dispositif de laïcité, dans le principe de laïcité, il n'y a pas d'hostilité à la religion. Et pour une raison toute simple, c'est que la laïcité n'interdit pas la prévenance parce que c'est un idéal républicain. Or, la République n'est pas là pour opposer, la République est là pour rassembler. C'est la première chose, mais il est important de le redire. La deuxième chose que dit cette circulaire, c'est que la laïcité, c'est la condition. Oui, j'ai surligné le mot. C'est la condition du respect des choix personnels dans une société ouverte. C'est-à-dire que la laïcité, ça n'est pas une idéologie. Ça n'est pas une croyance parmi d'autres. Ça ne se situe pas sur le même plan. Et c'est pour ça que j'ai pris cette capture d'écran du monde, parce que j'ai une irritation chaque fois renouvelée quand je clique sur cet onglet. La laïcité est placée, voyez-vous, dans la rubrique société, dans la sous-rubrique religion, au choix avec bouddhisme, catholicisme, islam, judaïsme, lutte contre les sectes, protestantisme, et puis laïcité. Alors je comprends bien qu'il fallait bien mettre quelque part. Mais attention, le message qui pourrait être envoyé, ce serait que, eh bien, on est soit catholique, soit laïque, soit musulman, soit laïque, soit juif, soit laïque. Ça n'est pas le cas. La laïcité est coextensive à la société, c'est-à-dire qu'on est en France et catholique et laïque, et athée et laïque, et musulman et laïque. Parce qu'encore une fois, la laïcité ne se préoccupe pas des croyances sociales dès lors qu'elle respecte le droit. Ce sont deux domaines qui sont des domaines distincts, différents. Ce qui veut dire que nous ne devons pas confondre la sécularisation et la laïcité. Ce sont deux réalités différentes. La sécularisation, c'est un mouvement de fond qui s'inscrit dans une durée longue ou moyenne, qui conduit à une diminution progressive de l'influence de la religion sur les mentalités. Cela conduit à un repositionnement de la religion comme un des secteurs culturel d'une société. Ça peut être le résultat de la laïcisation, mais ça n'est pas le but de la laïcité. La sécularisation peut précéder la laïcité, elle peut lui succéder, elles peuvent ne pas se rencontrer. Mais en tout cas, l'objet de la laïcité n'est pas de lutter contre les appartenances religieuses, contre les croyances religieuses. Et si la laïcité ne se mêle pas du rapport qu'entretiennent nos concitoyens aux croyances, c'est parce que la laïcité, c'est d'abord du droit. C'est d'abord un principe d'organisation de la République. Or, le droit, vous le savez, est indifférent aux croyances sociales, dès lors, évidemment, qu'elle respecte la loi. Alors, cette laïcité, on peut essayer de la définir et de la délimiter, même s'il n'y a pas de définition juridique. Pour cela, nous disposons d'un ensemble de jurisprudences et de règles qui ont été recensées dans un ouvrage qui s'appelle « La laïcité à l'école » par Jean-Louis Auduc et Jacqueline Costa-Lascou. C'est un ouvrage auquel je vous renvoie. Vous trouverez une série de textes qui permettent de préciser les choses. Et je m'appuierai pour ma part simplement sur la frise qui a été mise en ligne par la DGESCO dans un parcours magistère auquel, évidemment, les personnels sont habitués, pour faire émerger, non pas les différentes étapes, mais pour faire émerger vraiment le principe de laïcité à travers ces différentes étapes. Je prendrai les cinq premières simplement. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 26 août 1789, article 10, nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, avec toujours dans les articles de la Déclaration des droits de l'homme, la réserve de l'ordre public établi par la loi. C'est une rupture fondamentale. C'est une rupture fondamentale parce que nous passons d'une société d'ancien régime où le catholicisme avait noué une alliance avec le trône et où, vous le savez, l'adage était le suivant, une foi, une loi, un roi. Il y avait donc confusion entre la religion et la politique, l'État. Avec la Déclaration des droits de l'homme, il y a là une brèche qui s'ouvre, il y a un ordre nouveau qui se met en place. C'est le début d'une séparation entre ce qui relève de la foi et ce qui relève de la loi. C'est donc une première brèche, c'est la première transcription juridique de l'idéal des Lumières. Les racines sont un peu plus anciennes que 1789, mais c'est la première transcription juridique. La frise nous emmène très très vite un siècle plus tard, loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire,
L'article 2 est clair. Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Cette loi sépare ce qui relève de l'instruction religieuse, ce qui relève de l'instruction publique. C'est-à-dire que là encore, nous continuons une œuvre de séparation. Pas une œuvre de division, pas une œuvre d'opposition, mais une œuvre de séparation. Séparation que Jules Ferry va expliquer une année plus tard dans sa fameuse lettre aux instituteurs du 17 novembre 1883. Vous savez, celle où il mentionne le bon père de famille. Ce n'est pas sur ce passage-là que je veux revenir, mais où il dit une chose extrêmement importante et qui reste une grande actualité aujourd'hui dans l'école laïque. Il dit qu'il faut distinguer ce qui relève des savoirs qui sont universels et des croyances qui sont particulières. Il faut distinguer, c'est-à-dire il faut séparer les deux. Pas les opposer, mais les séparer. La loi Goblet du 30 octobre 1886 va compléter la loi Ferry en introduisant cette fois la laïcisation du personnel des écoles publiques primaires et en stipulant dans son article 17 « Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. L'œuvre de séparation se poursuit et elle va se poursuivre jusqu'au 9 décembre 1905 et j'arrêterai là mon propos sur cette frise puisque cela se poursuivra encore avec la séparation des églises et de l'État. Ça n'est plus seulement l'école qui est laïque, c'est la République française qui devient laïque. Alors, je reviens sur ces cinq moments-là pour vous dire la chose suivante. C'est que en France, le principe de laïcité, je suis bien voyé sur le principe d'organisation de la République française, c'est donc d'abord perçu, je ne dis pas que ça se réduit à, mais c'est d'abord perçu, c'est d'abord construit comme un principe de séparation de l'État et des religions. C'est-à-dire que c'est finalement un principe simple. Les questions ont l'air compliquées. Les questions que je posais tout à l'heure ont l'air très très compliquées. On se dit, mince, si j'étais confronté à ça dans ma carrière, comment vais-je réagir? C'est en fait un principe simple. C'est la séparation de ce qui relève de l'État, de la puissance publique, et de ce qui relève des convictions et des croyances de nos concitoyens. Ça veut dire que, contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de serment sur la Bible fait par les autorités publiques dans notre pays. Il n'y a pas de séance de prière publique lorsque le Parlement se réunit en congrès, par exemple. Il n'y a pas de religion d'État. Ça veut dire que la dimension première de la laïcité, c'est la fin de la confusion entre la loi religieuse et la loi civile. C'est ça qui est fondamental. Il ne peut pas y avoir de confusion dans une république laïque entre la loi religieuse et la loi civile. La foi et la loi sont distinctes. Et si la loi et la foi sont distinctes, c'est parce que l'État est affranchi des empiétements du religieux et que le religieux est affranchi des empiétements de l'État. C'est une double émancipation, je dirais même c'est une triple émancipation puisque l'individu lui-même est affranchi des empiétements et du religieux et de l'État. Cela veut donc dire que dans la République laïque, et c'est vrai aussi à l'école, aucune confession, aucune communauté au sens social du terme ne peut imposer à l'État sa loi pour qu'elle devienne la loi générale. La loi dans une république laïque ne peut être que l'expression de la volonté générale, indépendamment des convictions des uns et des autres. Voilà le fondement. Voilà le principe dans toute sa simplicité. Cela veut dire qu'à l'école, les personnels sont astreints à un devoir de neutralité et d'impartialité. Ils ne peuvent pas agir indépendamment de l'intérêt général et du respect de l'état de droit. Donc ils n'ont pas de préférence à faire partager à leurs élèves. Le corollaire, c'est que nul ne peut faire montre de ses croyances religieuses ou convictions particulières pour entraver le fonctionnement du service public d'éducation. On ne peut pas s'opposer à un enseignement au nom de considérations religieuses. Alors, Catherine Kinsler, dans cet ouvrage que je recommande régulièrement, exprime les choses dans un tableau qui exprime très simplement ce principe de séparation dont je parlais. Il est aisé à lire. Le régime laïque, c'est donc la rencontre de deux principes. Un principe d'abstention, c'est le principe que nous appelons le principe de neutralité, qui nous interdit à nous fonctionnaires de montrer nos convictions, qu'elles soient philosophiques, religieuses, politiques, c'est-à-dire notre neutralité. Et puis le principe de liberté d'affichage qui permet à tout citoyen de faire montre de ses convictions.
et par son propos, par son vêtement, par son attitude. Et voyez que ces deux principes vont s'appliquer soit dans la sphère de l'autorité publique, mais nous sommes bien là dans une sphère, et une sphère c'est délimité, c'est clairement délimité, il faut se méfier des empiétements, ou dans le domaine, c'est beaucoup plus large, de la société civile. Et en fonction, alors c'est un outil qui est assez simple, en fonction de la réalité à laquelle vous appartenez, vous voyez quel est le principe qui s'impose à vous. Un exemple, si vous le permettez, tiré d'une anecdote, au cours d'une inspection, très, très rapidement. Alors je rassure les jeunes collègues qui sont, ou futurs jeunes collègues qui sont présents dans la salle, nous ne racontons pas ce qui se passe dans les inspections, sauf lorsque les collègues à qui nous avons demandé l'autorisation nous disent « oui, oui, vous pouvez évidemment ». Et là, il y avait un potentiel, comme on dit, donc j'avais demandé aux collègues si je pouvais m'emparer de la réflexion. C'était une inspection d'un jeune collègue pour sa titularisation. Et donc j'arrivais dans la salle, la porte s'ouvre, et là je vois avec surprise que c'est Che Guevara qui m'ouvre. Très beau t-shirt avec le visage de Che Guevara. J'ai eu un mouvement de surprise. J'ai pris le parti de ne rien dire sur le coup, parce que ça aurait sans doute mis le collègue en difficulté en début d'heure, et puis parce qu'à la réflexion, je ne suis pas sûr qu'enlever le t-shirt aurait été la solution appropriée à ce moment-là. Donc le cours s'est déroulé, et puis dans le courant de l'entretien, pas tout de suite évidemment, parce que ça aurait pu déstabiliser le collègue, dans le courant de l'entretien est revenu, si vous voulez, la question. Donc je lui disais, vous savez, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer que vous aviez un t-shirt original. Il a tout de suite senti. Et il me dit, ah mais deux réactions très intéressantes, vous allez voir, pour parler du principe de séparation. Sa première réaction a été de me dire, mais vous savez monsieur l'inspecteur, ça n'est pas religieux. Ce à quoi j'ai répondu, je sais. J'ai quelques bases aussi sur la question. Ça n'est pas religieux. Ce qui veut dire que pour lui, le principe de laïcité n'était pas menacé puisqu'il ne s'agissait pas d'une question religieuse. Mais ça n'est pas que religieux. La séparation que nous devons faire, c'est la séparation entre ce qui relève des croyances personnelles, des convictions personnelles de nos concitoyens et ce que peut dire la puissance publique. Ça, c'était la première chose. Il manquait à son devoir d'impartialité. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, lorsque je lui ai fait remarquer cela, ça a été « mais vous savez, je ne suis pas guévariste ». C'était très intéressant, parce que je n'ai pas à le savoir. Qu'il soit guévariste ou pas, ça devait être absolument sans aucun effet sur mon appréciation de la situation. Et il confondait là, vous voyez, l'émission d'un message et la réception d'un message. Nous devons donc veiller à garantir ce devoir d'impartialité et de neutralité, indépendamment des intentions, évidemment, que nous pourrions avoir en tant que concitoyens. Alors, vous voyez, c'est assez simple. Un parent d'élève qui viendrait dans l'établissement porteur de signes religieux ostensibles, il appartient toujours à la société civile. Il n'a donc pas à se défaire de ses signes religieux. Il n'est pas fonctionnaire. Un fonctionnaire qui, en situation, porterait un signe religieux, fût-il discret, évidemment, contrevient au principe de laïcité. Voilà. Alors, ce principe de laïcité, qui ne se réduit pas à la simple séparation, se comprend d'abord par le principe de séparation. Mais il faut savoir que c'est un principe auquel l'école tient beaucoup. L'école tient énormément à la laïcité, au principe de séparation, parce que l'école sait le prix de ce principe. Et si elle sait le prix de ce principe, c'est parce qu'elle a connu une époque où la laïcité n'existait pas. Et où donc il y avait confusion entre la chose religieuse et les choses de l'enseignement, et la chose publique. Je crois qu'il n'est jamais inutile de rappeler que la laïcité, c'est aussi le fruit d'une conquête. C'est très important. Nous sommes à une époque où on pourrait considérer que les choses vont de soi. Et les dangers étant moins pressants, je parle du danger du cléricalisme, peut-être que nous avons collectivement baissé la garde. La laïcité est le fruit d'une conquête que nous devons faire valoir. Je voudrais vous rappeler ou partager avec vous un petit extrait d'un ouvrage de Flaubert, qui n'a pas eu le temps de finir, qui s'appelle « Bouvard et Pécuchet ». C'est un ouvrage assez amusant,
Alors pour ceux qui n'ont plus en mémoire Bouvard et Pécuchet, vous savez, ce sont deux personnages qui ne brillent pas forcément par leur intelligence, il faut le reconnaître, et qui se rencontrent qui deviennent amis parce qu'ils ont pensé tous les deux à mettre leur nom dans leur chapeau. Et donc ils vont vivre ensemble des aventures qui vont les mettre en présence de personnages qui ont des idées, on va dire des idées reçues, des idées bien trompées. Bon. Et il y a un extrait qui me semble intéressant, qui est celui où un instituteur qui s'appelle Alexandre Petit est aux prises avec un prêtre qui s'appelle l'abbé Geoffroy. Nous sommes sous le régime de la loi Falloux, c'est-à-dire que les prêtres ont été chargés de l'instruction, de la surveillance et de la direction des écoles publiques. Extrait. Sur le seuil, la robe noire du curé parut. Ayant salué vivement la compagnie, il aborda l'instituteur et lui dit presque à voix basse : Notre affaire de Saint-Joseph, où en est-elle ? Ils n'ont rien donné, répondit le maître d'école. C'est de votre faute. Et j'ai fait ce que j'ai pu. Ah, vraiment ? Bouvard et Pécuchet se levèrent par discrétion. Petit les fit se rasseoir et s'adressant au curé : Est-ce tout ? L'abbé Geoffroy hésita. Puis, avec un sourire qui tempérait sa réprimande, « On trouve que vous négligez un peu l'histoire sainte. »« Oh, l'histoire sainte ?» reprit Bouvard. « Que lui reprochez-vous, monsieur ?»« Moi, rien. Seulement, il y a peut-être des choses plus utiles que l'anecdote de Jonas et les rois d'Israël. »« Libre à vous !» répliqua sèchement le prêtre. Et sans souci des étrangers, ou à cause d'eux, « L'heure du catéchisme est trop courte. » Petit leva les épaules. « Faites attention !» Vous perdrez vos pensionnaires. Les 10 francs par mois de ses élèves étaient le meilleur de sa place, mais la soutane l'exaspérait. Ah, tant pis, vengez-vous. Un homme de mon caractère ne se venge pas, dit le prêtre, sans s'émouvoir. Seulement, je vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue la surveillance de l'instruction primaire. Et je le sais bien, s'écria l'instituteur, elle appartient même au colonel de gendarmerie. Pourquoi pas au garde champêtre ? Ce serait complet. Et il s'affaissa sur l'escabeau, mordant son poing, retenant sa colère, suffoqué par le sentiment de son impuissance. L'ecclésiastique le toucha légèrement sur l'épaule. « Je n'ai pas voulu vous affliger, mon ami, calmez-vous, un peu de raison. »« Voilà Pâques bientôt. J'espère que vous donnerez l'exemple, en communiant avec les autres. »« Ah, c'est trop fort. Moi, me soumettre à de pareilles bêtises. » Devant ce blasphème, le curé pâlit. Ses prunelles fulguraient, sa mâchoire tremblait. « Taisez-vous, malheureux, taisez-vous. » « Et c'est sa femme qui soigne les linges de l'église. »« Eh bien, quoi, qu'a-t-elle fait ?»« Elle manque toujours la messe, comme vous d'ailleurs. »« Et on ne renvoie pas un maître d'école pour ça. »« On peut le déplacer. Voilà. » Flaubert ici nous décrit ce qu'était une école non laïque. Alors Flaubert, c'est un écrivain. Mais j'ai bien dit « décrit » ce qu'était une école non laïque. Bien sûr, Flaubert est engagé. Bien sûr, Flaubert conteste le cléricalisme et l'influence de l'Église catholique sur l'État, sur l'école. Mais ça n'est pas seulement de la littérature. Pensez à Hippolyte Taine, brillant normalien, qui n'est pas accepté à l'agrégation de philosophie en 1851, malgré ses immenses qualités. Pourquoi ? Parce que il a fait valoir, je cite, j'ai mis entre guillemets, des opinions sur la providence et sur la morale religieuse qui ne conviennent pas au jury. Pensez à Ernest Renan. Ernest Renan, qui est auteur d'une vie de Jésus, dans laquelle il a eu ce tort immense d'écrire Jésus, cet homme admirable, et d'envisager la vie de Jésus comme une biographie. Il a témoigné un grand respect pour le personnage de Jésus, mais comme un homme. Dénoncé comme étant le blasphémateur européen par Pie IX, il y a eu des manifestations devant le Collège de France, il a perdu sa chaire, il a été suspendu. Ça n'est pas seulement une description littéraire. Le principe de séparation a garanti quelque chose. Et si j'en parle maintenant, c'est parce qu'on voit bien qu'une école non laïque, c'était une école qui était contrôlée par des censeurs. C'était une école dans laquelle il n'y avait pas d'indépendance d'esprit des personnels. C'est une école dans laquelle les maîtres étaient soumis au clerc. C'était une école dans laquelle le savoir était inféodé au croire. Et si je vous dis cela, c'est parce que je pense que chacun mesure que la laïcité a été conquise,
mais pas conquise simplement sous l'angle de la séparation. Il y a là quelque chose de plus qui se joue. Il ne s'agit pas simplement de séparer ce qui relève des croyances de ce qui relève de la chose publique. Il y a un noyau, il y a un but vers lequel est orientée la laïcité. Ce but, c'est celui qui fait de la laïcité pour nous une valeur. C'est celui qui fait que la loi de 2004 est compréhensible. C'est celui qui fait que les personnels s'engagent dans une pédagogie de la laïcité au quotidien. Ce but, il est retracé par Georges Veil. Dans les années 20, c'est un ouvrage qui est réédité, Georges Veil écrivait « L'idée laïque renferme une conception philosophique sur l'indépendance et la capacité de la raison humaine, et une conception politique sur les droits de l'État et des citoyens vis-à-vis des églises. » La deuxième partie de sa phrase, c'est la séparation. Mais il y a la première. Une conception sur l'indépendance et la capacité de la raison humaine. C'est-à-dire que, il faut revenir sur ce qu'est l'école, la loi de 2004 n'est pas compréhensible si l'on n'a pas ce but en tête. La loi de 2004, je l'ai remis là en dessous du tableau pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est cette loi qui interdit aux élèves le port de signes et de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Ce qui veut donc dire que nous avons restreint la liberté d'affichage des élèves alors même qu'ils ne sont pas fonctionnaires. Ça n'a pas été compris par beaucoup d'autres d'entre eux, qui ont vu simplement une privation de liberté. Or, ça n'est pas une privation de liberté. C'est au contraire une garantie de liberté. Pourquoi ? Parce que, et Abdelnour Bidar est sans doute l'un de ceux qui en parle le mieux aujourd'hui, parce que la mission de l'école, l'une des missions de l'école essentielle, c'est de permettre aux élèves qui nous sont confiés de construire librement leur identité. C'est-à-dire que l'école vise à donner aux moyens aux élèves le moment venu de se choisir librement. L'école essaye de délier les élèves des conditionnements qu'ils auraient pu recevoir à l'extérieur. Il ne s'agit pas de lutter contre l'éducation familiale. Il ne s'agit pas de lutter contre les convictions des élèves. Il s'agit de compléter la formation des élèves pour qu'ils puissent librement se prononcer le moment venu sur ce qu'ils veulent être. C'est-à-dire que l'école fait œuvre de liberté. L'école est l'un des seuls endroits en France où nous considérons que nous avons en face de nous non pas des libertés constituées, mais des libertés en cours de constitution. Et donc il revient à l'école de permettre la constitution et l'avènement de cette liberté. C'est-à-dire que l'école est un temps de gestation. La conscience des élèves est fragile, il faut neutraliser l'espace de l'école pour garantir un épanouissement libre. Et vous voyez donc bien qu'au cœur de tout cela, c'est la liberté qui prime. Nous entrons par la séparation, mais la séparation est au service de ce but qui est la garantie de la liberté. Et si l'on regarde la loi de 1905, on voit bien que l'article 1er rappelle la chose suivante. La République assure la liberté de conscience. C'est le premier article. C'est le premier article. Elle garantit le libre exercice des cultes. C'est-à-dire que la loi de 1905 est d'abord une loi de liberté. L'État ne se prononce pas à la place des concitoyens sur ce qu'est le bien, sur ce qu'est le mal, sur ce que nous devons croire ou ne pas croire. En revanche, évidemment, il encadre de façon à ce que la liberté des uns et des autres soit garantie, bien évidemment. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte, c'est-à-dire que nous sommes bien là dans une loi de séparation. C'est l'aboutissement dont je parlais tout à l'heure. Article 4, la difficile question à l'époque de l'attribution des biens des églises. Vous voyez que l'article 4, j'ai mis en gras que les associations qui vont se former vont le faire conformément aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. L'État aurait pu faire le choix d'associations type 1901. Il a laissé la possibilité d'avoir des associations qui se conforment aux règles d'organisation générale du culte. C'est-à-dire que c'est une loi d'équilibre. C'est une loi qui fait preuve d'égard pour les religions, pour les églises. Ça n'est pas une loi qui est une loi de violence anti-religieuse, pas du tout, contrairement à ce qu'on a pu en dire. Et puis c'est aussi, il faut le dire, c'est aussi un acte unilatéral de la puissance publique. Ce qui veut dire qu'en 2017, ni l'État ni l'école ne négocient le principe de laïcité. Ils l'expliquent, ils l'éclairent, ils le rendent compréhensible, mais ils ne les négocient pas, bien évidemment. Alors à l'école, les implications sont tout à fait évidentes. Si la laïcité, c'est le fruit d'un processus historique qui repose sur la volonté d'émanciper l'individu, qui est confiant dans la raison et qui donc se traduit par la séparation des églises et de l'État,
Alors Jean Jaurès avait raison en 1901, quand il expliquait qu'il ne s'agissait pas de lutter contre les croyances familiales. Ça n'est pas cela. Oui, ça se disait déjà dès 1901. Il ne s'agit pas de lutter contre les croyances familiales. Il ne s'agit pas de violer les consciences des élèves. Il ne s'agit pas de bafouer l'autorité parentale. En aucune façon, en aucune façon. Il ne s'agit pas de remplacer un discours qui serait un discours religieux par un discours de même ordre qui serait un discours républicain. Vous savez, le fameux catéchisme républicain, ça n'est pas cela. Mais l'école ne s'interdit aucun questionnement scientifique. L'école n'agresse pas les croyances, mais elle refuse le dogmatisme. Y compris, ça va très loin dans la pensée de Jaurès et dans ce que veut faire l'école, y compris le dogmatisme d'une science qui serait dévoyée. Nous ne travaillons pas sous l'angle du dogmatisme et de l'inculcation. Alors, il y a des implications éthiques et pédagogiques fort nombreuses, je n'y reviens pas. Si ce n'est pour vous dire qu'il s'agit donc non seulement de garantir la liberté de conscience, mais même dans le cas de l'école, en réalité, de construire aussi une liberté de pensée, c'est-à-dire de mener un exercice critique sur le monde. En conclusion, la laïcité, en résumé, c'est finalement trois choses assez simples. La charte de la laïcité vous permet de retrouver tout cela. Je vous y renvoie, et notamment au texte qui accompagne la charte de la laïcité. Vous voyez que la laïcité, c'est donc la liberté de conscience, et quelques articles, alors évidemment dans tous les articles vous trouverez des éléments, mais cela me semble le dire particulièrement. La laïcité, c'est aussi l'égalité en droit. J'en ai moins parlé, mais il est évident que c'est également l'égalité en droit. Il n'y a pas de discrimination à l'école, il y a une culture partagée. La laïcité, c'est aussi la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire la neutralité de la puissance publique. Voilà ce qu'est la laïcité dans la République et à l'école. Un mot de conclusion. Je ne pouvais pas ne pas parler de Ferdinand Buisson, tout de même. À l'école, il y a une mission particulière pour les personnels. Ce n'est pas seulement de faire valoir le principe de laïcité. Ce n'est pas seulement de le faire respecter. L'école a pour mission, certes, de faire connaître, certes de faire comprendre, mais aussi de faire partager. Et c'est donc que la laïcité ne peut pas s'envisager seulement sous l'angle réglementaire à l'école. La laïcité, vous voyez, c'est un outil qu'on a essayé de construire, un outil simple. C'est la rencontre entre un cadre réglementaire que les personnels doivent connaître, mais aussi une éthique qu'ils doivent incarner et une pédagogie qu'ils doivent trouver. C'est une tâche dont nous savons la difficulté au quotidien. Mais c'est une tâche absolument indispensable. Et à ceux qui nous disent parfois, c'est un peu une vision idéale de l'école, moi j'aime bien revenir à Ferdinand Buisson, qui s'exprimait devant la Ligue de l'Enseignement en 1917, il y a tout juste 100 ans. La Ligue de l'Enseignement, c'est l'occasion aussi de leur rendre hommage, c'est notre compagne de longue date sur ces questions-là. Et lorsqu'on lui posait la question de l'idéalisme de l'école, il disait la chose suivante. Si vous lui ôtiez cet arrière-plan d'idéalisme, il ne vous resterait dans les mains qu'une terne nomenclature de préceptes, quelques beaux aphorismes frappés en médaille et l'inoffensif babil de la civilité puérile et honnête. Et pour que l'école ne soit pas un endroit où l'on parle creux, contre l'inoffensif babil de la civilité puérile et honnête, une pédagogie de la laïcité est absolument indispensable. Et donc il va revenir à ma collègue dans quelques minutes de nous dire si elle est possible. Je vous remercie.